Salut amis gamers, amis gameuses, ici Emulac pour Hack Factory, mais aussi pour la chaîne Twitch Emulac. Et nous sommes aujourd'hui sur Company of Heroes, jeu de stratégie sorti début 2000, je sais, début des années 2000, en vrai, je me souviens plus. Bon, bref, c'est un jeu de stratégie développé par Relic Entertainment. Bon jeu sur la. Son... Oula, les 6 premières missions, pardon, de la bataille de Normandie, nous avons. En tout cas sur YouTube j'ai Cherbourg. Je n'arrive pas à retrouver ce vaste. De toute façon je crois que la qualité n'était pas folle, donc on va la reprendre. Pas très grave, même si la mission est pas folle. On va la reprendre pour que ça puisse être sur YouTube bien évidemment. J'avais déjà fait en live, hein, je suis désolé, bon de toute façon le live est assez tranquille aujourd'hui puisque je live en plein après-midi. Je suis en congé. Je profite pour avancer sur cette fait où j'avance très lentement. Donc, saut de vaste, la 7ème mission. Les services de renseignement alliés ont découvert une base de V2 opérationnelle. La compagnie Fox est chargée d'éliminer la menace. Elle devra neutraliser la garnison du site et détruire les fusées V2. Il paraît qu'on a fait 40 000 prisonniers allemands à Cherbourg. Malheureusement, tout ce qu'on a eu en retour de nos efforts, c'était un port en ruine. Les Allemands avaient fait tellement de dégâts qu'il nous faudrait des mois pour le remettre en état. Mais la prise de la ville a eu des bons côtés. Dans un bunker, on a trouvé des documents secrets nazis. Voici les schémas d'une fusée V2 ennemie. La base de lancement est cachée dans une vallée au sud, près de Sottevast. Elle s'enfonce apparemment dans la colline, mais elle n'est pas achevée. La plateforme de lancement est bien défendue et tout bombardement est à exclure. Nous allons donc mener une opération aéroportée. Des parachutistes atterriront pendant la nuit dans l'enceinte de la base et attaqueront la plateforme à pied. Ce sera une mission très périlleuse. Bonne chance. L'histoire, elle est un peu. Vous allez voir, elle est un peu... enfin, c'est pas qu'elle est chiante, mais en gros, on peut pas. C'est pas nous qui faisons venir les unités. Être très. Faut pas être l'idiot avec ses unités, quoi. Sinon, c'est fin de game. Faut que je vérifie parce que je vois que sur mon stream le cadre du jeu est un peu dé. Vous êtes largement. Là, j'ai effectivement. Alors, vous voyez tous les. Jeu. Je sais pas pourquoi il y a des gros liserés noirs. On va voir ça, je vais voir ça. On va faire quelques. Notre premier objectif est la plateforme de lancement située ici. À l'aide d'explosifs, nous provoquerons une réaction en chaîne qui détruira toute la base. La base est protégée par des canons anti-aériens qui réduisent nos possibilités de parachutage. Je peux demander des parachutages d'ennemis, d'alliés, pardon. Pour assurer nos voies de ravitaillement, un deuxième groupe attaquera ici, à l'entrée principale. Donc il faut que j'utilise beaucoup. Nous n'aurons pas de base d'opération. Nous devrons attaquer les dépôts ennemis pour prendre des armes lourdes. En avant, messieurs. En fait, l'écran il est. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi ça fait ça. On va regarder vite fait. Oui. Ok, alors, juste regarder. Attendez, je vais essayer de faire, vite fait de regarder un truc, pardon. En vrai, je comprends pas trop pourquoi le. Ça doit être, si je fais ça. Vous l'avez déjà un peu plus. C'est bizarre quand même, hein, je trouve ça vraiment particulier. Je pense que ça va être dans les. On va laisser comme ça. Je pense que ça doit se faire au menu. Ça doit être la résolution du jeu, je pense. Pourtant, sur mon écran, ça passe bien. Bon, écoutez, tant pis.
Alors. Si nous prenons l'entrée, nous pourrons recevoir du ravitaillement. Plus nous tiendrons longtemps la ligne de ravitaillement, plus nous laisserons de temps à Evil pour nous envoyer des renforts. Allez, en avant, et prenez cette position stratégique. Donc là, l'idée, c'est de prendre cet endroit-là. Je vois qu'il y a... J'avoue que ça fait un moment que j'ai fait la mission, donc je m'en souviens pas... Je me souviens pas de tout, tout, tout. Alors le jeu, vous savez, beaucoup de... On se met à couvert. Ça me semble un peu compliqué. N'hésite pas à mettre en repli, sachant que là ils sont sous le feu ennemi. Oh, une grenade, vous allez voir, ça a l'air fatal drôle. Ah, je commence déjà à me prendre cher. Ok, j'ai déjà perdu. Putain. Ça commence mal. A chaque fois quand on se met en repli, ça va à la zone de départ. Donc, là ça va, je suis juste à côté, mais... On va se mettre ici, c'est assez bon plan quand même. Une mission suicide parce que sinon je perds tous mes hommes, je pense. Mais je vais déjà perdre, mais en fait. Ah, je vais déjà mourir. Là, je vous avoue que je sais pas trop comment je vais faire. Ah, c'est mort. Ah, je suis nul, hein. Ouh là là, ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué, parce que là... Ah non, j'ai quand même... Ça va, ouh! Je fais pas un super début, hein, je vous avoue. Juste qu'il faudrait juste qu'ils reprennent pas cette merde parce que... Ils me font chier. En fait, dès le début, on a vraiment pas d'endroit pour... Ok. Ah là 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 là. Je sens que je vais faire de la merde. Je vais faire de la merde, c'est pour ça que je vais pas cette mission. Ils envoient des unités à l'infini, on a l'impression, c'est... Alors c'est vrai que j'aurais pu prendre un million en fusil sans recul. Déjà, je pouvais tuer ces mecs-là, ça serait top. J'aime bien comment ils se ramassent. On est pas mal, hein. On commence à reprendre le dessus. C'est une mauvaise idée, ça, à chaque fois. Il y a un truc ici qui me tue. Faire ça. Lui, il me casse les couilles. On va faire un trou là, on va le fumer par la droite. Salut viewers, hein, n'hésitez pas
Discuter avec moi, je suis pas méchant. Je suis nul, mais je suis pas méchant. Attends, je sais pas où ils vont là. Qu'est-ce qui branle? Oh là 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 là. On va faire ça. Je sais pas pourquoi ils voulaient absolument faire le tour, les mecs là. Effectivement. Non, on va les mettre dans le canon, hein, tant qu'à faire. Je les occupais. Allez, go go go, on attend que vous les gars. Bon, je vais sacrifier point d'effectif. Ah merde. Ok. Yes. Alors regardez, il est occupé, il me voit pas. Miradan s'en occupe, c'est bon, ok. Quand même perdu pas mal d'hommes. Hein. Ok. Je vais essayer des hommes ici. On a capturé la première zone. On a capturé celle-ci qui est pas très loin. Bon, l'idée c'est d'à chaque fois de passer, hein, de prendre à chacun son tour, entre guillemets. Objectif accompli, l'attaque de l'entrée principale s'est bien passée. Enfin, bien passée. C'est une position stratégique. Ne laissez pas les Allemands la reprendre. Eagle nous envoie des renforts. On doit maintenir notre voie de ravitaillement. On va se défendre ici. Ok, donc pendant 9 minutes, on devrait recevoir des attaques, je pense. Je fous encore des mecs là-bas. On n'est pas super bien défendu en fait, c'est ça qui est un peu. Je me demande même si je vais pas commencer à attaquer. Alors là, c'est pareil, il y a ça qui va nous faire chier, voyez-vous. Qui peut nous attaquer, hein, même si c'est des trucs anti-aériens. Ça peut quand même nous attaquer, donc ce qu'on va faire. Voilà. Et alors, je trouve que les dégâts dans ce jeu sont absolument ouf. Pour entre guillemets l'âge du jeu, je trouve que c'est vachement intéressant. Il y a ce Mirador aussi que je viens de voir. Donc là, ça a posé problème. Une mission suicide, hein, pour les deux. Ok, eux ils sont morts. Soldats! Ok, au moins le Mirador. C'est de les faire partir en repli. Ok, ça fera un truc en moins. Bon, là, je la joue à la soviétique. Hein. Ah, j'aurais pu mettre des mines, je suis un con. C'est tombé. J'aurais pu miner, je crois, oui.
Heureusement, j'ai bien pris le. L'idée, ça serait de prendre le côté droit. À peine. Allez, on va faire ça. Comme ça, je vois où ils sont. Pour l'instant, ça tient. Alors là, vous savez qu'à chaque fois qu'on capture une zone, on a des points. Ah, ils veulent pas attaquer par derrière, quoi. Ok, déjà là, on peut se mettre comme ça. Ce qui est plutôt pas mal. Balancer une grenade. Oh, ah, parfait. Ah, lui, je sais pas comment il est fait pour pas mourir. C'est le corps de son collègue qui l'a permis de. Là, on est ici, on est pas mal. Là, ils vont continuer à. Par là, là. S'il la jette par dessus, oh ouais bon d'accord ça a traversé le ça a traversé le oh non 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 non, non. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà, on voit la charge comme ça lui il m'emmerde plus. Voilà. Ça c'est très propre les amis. Ok. Ok. On a deux endroits. Donc ça sera une vidéo, une mission. Hein. Même si ça dure longtemps, c'est pas très grave. Ça c'est des palettes de munitions, on va les prendre après. Là, ici c'est un peu chaud. Je vais prendre ce qu'il y a à gauche là. Il y a quand même pas mal d'endroits sympas, sachant qu'ici on peut pas. Si on peut monter par là. L'idéal c'est. Enfin l'objectif final c'est ça. Hein, de mémoire. Alors là en plus on va recevoir pas mal d'attaques. Donc effectivement je connais déjà la mission comme je vous l'ai dit en début de. Enfin, début de live, oui, je l'ai dû le dire en début de live, en début de vidéo, je sais plus. En gros, c'est une mission que j'avais déjà fait, mais je retrouve plus la vidéo. J'avais moins galéré, hein. En tout cas, on sait qu'il y a du monde là-bas. Moi, je passe par derrière eux alors. Mais les mecs ils sont à 2 mètres. Je sais pas si je peux viser. Pas du tout. Donc, ce côté, je pense qu'on n'a plus besoin d'y aller. Il y a juste ce mirador qui fait un peu chier. Sachant qu'on peut aussi venir par là, plus ou moins. Avec ce mur-là, je pense qu'on a moyen de. On va les emmener là-bas. On va les faire venir. On va les foutre là-bas aussi. Excusez-moi.
sérieux aussi hein, qui peuvent y aller. Ah, eux ils sont dans le caca, il y a encore un Mirador, putain. Ah, les Miradors dans cette mission, ils sont... Bah après on est dans une base allemande, donc forcément... Ouais, je sais pas trop ce qui... Ouais. On n'est pas contre les Japonais, là, hein. Enfin, je crois que dans les renforts, il me semble qu'on va peut-être avoir des tanks. Ce qui va être plutôt pas mal. Surtout face au Mirador. Bah, vu qu'on est bien, je pense que... On risque pas grand-chose. J'ai mis de 50, hein. Endommagé. Bon, lui il peut plus bouger déjà. Il est déterminé, hein. Oh, regardez comme il est musclé. Je trouve que le jeu est super bien fait. Je vous jure que. Mitrailleur tué, ah bah voilà. Ah bah il a rangé. Il est mort, mais il range la bâche quand même. Hein. Il est malin, mec. Son plaisir hein. Parce que vous voyez là le problème c'est qu'ici alors après je peux longer éventuellement parce qu'il y a un mirador qui peut me poser problème si j'attaque de front comme ça. Je vais voir ce que me rapportent les renforts, sinon je peux passer par là, vous voyez, longer le mur, faire un explosif et attaquer par derrière. Le problème c'est qu'ils ont, il y a peut-être moyen qu'ils puissent se retourner eux. Je lance mon live pour qu'il y ait 4000 personnes qui m'appellent. Bon, on va attendre. On a pas mal d'unités, hein. À 18 secondes. J'en profite pour manger mes petites chips. Bon. Pas tout à fait des chips, mais bon. D'accord. Et là, je vais recevoir encore d'autres renforts, je pense. Ok, à moins que je, à chaque fois, je reçoive des... Donc là, vous voyez, les génies. Ils s'en bat les couilles. Alors, je sais pas pourquoi ils se sentent... Pourquoi ils se sentent attaqués alors que... Ah si, c'est sur eux qui tient, d'accord. Alors j'essaie de les défendre mais... J'ai l'impression que mon Alftrak soit très efficace hein, face à eux. Donc on a confirmation que le half-track ne sert absolument à rien face à... J'ai l'impression qu'il sert à grand chose en fait, mais bon. Elle fait battre en retraite. Je suis assez déçu de mon half-track, hein, je vais pas vous mentir. Mettre là-bas. Je
Je pense qu'on va quand même envoyer un mec là-bas. Bon, pour défendre, c'est pas mal, même s'il prend pas mal de dégâts. Ah, ils sont dans le caca. Hein. Eux aussi, je gaspille beaucoup d'hommes, mais eux, ils sont pas mal non plus. Hein. Enfin, juste que je refasse un mur un peu plus... Canon anti-char, putain. Il faudrait 2 points. Je demande un bombardement. Alors c'est quand même mieux un canon anti... Enfin, je sais pas. C'est quand même mieux un canon anti-char parce qu'il a une portée qui permettrait de détruire les miradors. Sachant que le mitraillage et le bombardement, il faudrait que je détruise les DCA. Donc je sais pas si c'est vraiment utile. Comme ça là, je suis dans une bonne défense. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire venir le half track. On va le faire venir de suite. Enfin je le répare aussi un de ces quatre. Si vous pouvez éviter de... Bah super. Elle prend cher quand même. Ok, il y a peut-être moyen que... Non, 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 mais viens là, viens là, viens là. Reste là. On va le faire revenir, je veux juste qu'il détruise celui-là. On va les re-renforcer eux. Il va falloir le réparer. Ça, on va prendre ce baraquement là. Ouf. Ça, faudrait que je les augmente à chaque fois en vrai parce que avec le fusil là, ça c'est plutôt pas mal. Je vois pas pourquoi il veut pas rentrer. Peut-être parce que je reçois des renforts. Ah, ça devrait être du petit lait. J'imagine vraiment les dégâts que ça peut faire sur le corps, ça doit être assez incroyable. Juste prendre les... On va le réparer. Centre de soins, c'est pas mal. Peut-être faire un centre de soins ici. Je vais en profiter. Ça permettra d'éviter d'à chaque fois de faire des renforts. Oula. Il faut surtout pas qu'ils crèvent, donc je vais les foutre là. Ok, je les fais battre en retraite. On a bientôt de nouveaux renforts. Ok, là on est pas mal, hein. Là je commence à bien gérer. Allez foutre là, on va commencer à avancer. Bon ça je le laisse là, on sait jamais si je me souviens plus si on a des attaques par derrière. Ici ça va être chaud. Lui ça a l'air d'aller si je fais le tour. Passant par là. Ici, je fais le tour, bam bam bam. Ouais, éventuellement ce passage là qui va être un peu chaud, il faudrait que j'emmène des... Bon, half track devant. Après, il est pas con le truc, hein, parce qu'il a tendance à plutôt attaquer mes soldats plutôt que le half track.
Il y en a un ici avec un mirador. Il y a un autre mirador ici. Il y a une DCA également là. Ok. On prend notre temps. Toujours prendre son temps dans les jeux de stratégie. Bon, il y a certaines missions qui vous obligent à comment dire, à rusher, hein, mais dans le cas de cette mission, c'est pas forcément le cas. J'ai mal. Un petit mortier là. Est-ce que ça le détruit? Ça serait top. Pas fou, hein. Il continue à se battre. Je sais pas trop comment il lui. Ah, il l'envoie là-bas. Putain. C'est pas grave. Lui est top. Alors, soit nos renforts dans quelques minutes. Enfin, dans une minute même. J'envoyais ceux-là. Envoyer ces deux-là à côté du poste de soins. À obliger, ça serait pas mal, hein. Attendez, c'est pas des mines ça déjà? Ah oui, il y a des mines ennemies quand même, hein. Il y a des mines ennemies. Quand même utiliser des mini ici. Ouais, il y a moyen que je me fasse niquer. Réservoir d'oxygène, ça doit être ça les réservoirs d'oxygène. Ça va être notre prochain objectif, ça va être d'attaquer ça. Il y a ce mortier qui me fait chier, j'attends juste de voir quel renfort je vais avoir. Parce que je vous dis, j'ai souvenir qu'il y avait un tank. Enfin, des sortes de mini tanks, des Stuarts. Yes! Un Sherman. Et un mortier, c'est pas mal le mortier. Je vais mettre un Alftrak ici. Voilà. Lui, je vais le foutre ici. Il y a un sniper, ça c'est très bien le sniper. Je sais pas trop où je vais le foutre pour le moment. Et un mortier. Bon, pour l'instant, je les mets tous au même endroit. L'idée, c'est d'abord de fumer ça. Merde. J'ai pris qui là? Les mortiers. Alors, le temps qu'il faut surtout pas que je le perde. Surtout pas, surtout pas. J'ai atteint la limite de ma populace. Bon, le dispositif anti-mine, je pense que c'est pas nécessaire. Juste que je fasse. Ouais, vous allez me dire, je peux peut-être pas le voir. C'est pour ça qu'on va éviter de passer sur les routes, hein. Surtout que là, je peux passer assez tranquillement. Voilà, ça c'est bien ça. Pourquoi se faire chier avec des hommes si on a des tanks? Bon, en plus, ça lui fait zéro dégâts. Ah oui, regardez, on va le voir tomber. Là, les Allemands, ils sentent qu'ils sont dans le caca. Même pour la DCA, je pense que... Faire avancer les deux, hein, on va profiter.
Oh, il y a un autre tank là. Il n'a pas l'air d'être actif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire venir les deux autres là. Parce que s'il y a le tank comme ça, au moins, il n'y a pas que tank contre tank. Ok. Ah. Il se cachait ce salaud. Le bâtard. Je crois qu'il peut plus se déplacer. Ah, le fusil il est terrible. Attention, il a bougé le salaud. C'est ok, je vais m'en occuper. Je vais avancer avec mes deux zigotos là. Comme ça de ce côté. Alors après je pourrais passer par là éventuellement. C'est vrai que sur le toit c'est quand même assez important. Ça annonce des gros combats hein, sur le combat qui ne pourra pas être aidé. Salut Rasnake, ça va et toi? Combat qui ne pourra pas être amené avec les véhicules forcément. La mire adore ici. Le temps qui fait mal. Mais non. Ça se passe plutôt bien. On va juste l'avancer histoire qu'il fume un peu les... Ce qui est bien, c'est qu'en fait la mitraillette du tank s'occupe des soldats. Et le tank en lui-même s'occupe du mirador. Oh là là. Alors ce qu'on va faire, alors c'est une des décharges explosives, une décharge explosive. Il a 5 minutes en année en force, c'est qui ça? Là. Nous on sait pas d'où il est, parti. Ok. Ouais, alors ça se passe bien à plan? Je comprends pas comment il faut pour les péter en fait. Voilà, lui il a besoin de... réparation. Ça me les a fait exploser, je sais plus. Faire sortir eux. Je vais déjà les faire remonter eux à la rigueur. Attendez, on va les faire monter. Pourquoi ça s'explose pas?
Ah. Il y a un truc que je saisis pas trop. Donc c'est bel et bien ça. Avec le fond de jage, j'ai l'impression qu'ils veulent pas le refaire. Bon, je les pose si ça. On laissera comme ça. Ah. Je me mets un peu loin, si jamais. Magnifique. Ah d'accord. Va falloir se faire ça avec le tank, je pense. On va d'abord voir comment ça se passe sur le toit. Là, c'est l'embouteillage dans les escaliers. Putain, mais bouge! On sera à la cantine. Ça va faire pas mal de dégâts quand même. Le bâtiment, il va être un peu chaud là. Je pense à détruire. Ils arrivent à m'attaquer de là-bas. Putain, ils sont bons. Bat en retraite, c'est pas grave. Lui, on va le faire venir, on va essayer de prendre ce territoire-là. Oh, c'est quoi ça? Voiture blindée, oh là là, oui. C'est bon, on n'a plus besoin. Là, tout ce qui est au sol, je peux me les taper avec mes véhicules. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste. Ah là, quand on a beaucoup de temps comme ça fait plaisir. Alors attendez, juste je vais m'occuper peut-être à la rigueur peut-être de lui. Allez, vas-y, occupe-toi de ça. Dommage qu'avec les véhicules je peux pas. Putain, mais là ça sent. Alors, de mémoire, ici là, il y a quand même des affrontements entre véhicules. Donc faut surtout pas que je perde mes. Ça risque de faire très très mal. Yesh. Bâtard. Elle bouge parce que je crois qu'il voulait te faire ton ton cul. Ah là là, j'ai bien fait de faire gaffe, hein. Ok, parfait.
Ouais. Pas grave, les gars! Alors. Ah, ils ont perdu ce. Ah, attendez, juste. Hop. Limitation de population atteinte. Merde! Ouais, c'est que quand on a trop d'unités, on va aller prendre ça. On va passer par le sol. Hein. D'ailleurs, je crois que mes véhicules peuvent au moins passer par là. À moins que tu aies pour tuer celui-là. Et juste ouais, ici, ça risque d'être un peu compliqué. Je pense que ça va se faire avec des hommes. Ok. Là, je pense qu'il mérite des réparations. Alors je les mets dans le bâtiment à chaque fois pour éviter qu'ils se fassent buter quand je m'y attends le moins. Je pense que ces trois là peuvent y aller. Faut que je fasse vraiment attention qu'il n'y ait pas d'autres tanks parce que ça peut être problématique, hein, faut pas croire mais. Qu'est-ce que je vais faire, regardez. On va faire un petit troco là. Non, je devrais pas subir de dégâts. Là, ils viennent se faire détruire. Ok. Et ça peut me faire très mal. Bon, ok. Je pense cependant que là, pour l'instant, je peux au moins avancer jusqu'à là en étant tranquille. Sur le mirador, comme ça je vais commencer à capturer. Oh, on est bien là, on est vraiment bien là. En ce moment, le plus dur passage c'est la prise de l'entrée qui a été conventionnelle, je vous l'accorde, mais c'est de ma faute. Le camion s'emballe un peu les claouis. Là, j'ai presque envie de dire qu'on est aux anges. L'autre. Ok. Ennemi près des installations. Je sens que ça va être le bordel. Regardez. Alors attendez, ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça qui peut être dangereux. Je vais ranger mes tout ce qui est tank et tout. Vous avez vu ce canon de 88 qui est là. J'ai l'impression que c'est le seul. Hein. Je vérifie quand même. Donc effectivement, là, l'idée, c'est soit je fais venir mes troupes par ici, mais vous voyez qu'il y a un canon et tout, c'est un peu la misère. Moi, ce que je préconise, c'est de repasser par là. Ça va être un peu chaud parce qu'en fait, l'escalier, les
tendance à s'agglutiner. J'ai beaucoup de troupes, comment dire, qui ne sont pas 100%. Bon, c'est pas pas mal ça. Je pense qu'on va faire venir beaucoup de troupes à moi, comme ça après à la rigueur je pourrais en faire reparachuter. Là, ça va être une grosse opération. Opération, on reprend le toit. Opération toiture. Je me demande si je devrais pas prendre un mortier, en vrai. Parce que le mortier, il y a moyen que j'arrive à toucher ça. Ce qui me ferait déjà, parce que bon, vous avez vu qu'il me canarde assez facilement. Mais même les DCA me canardent de. Alors je sais pas si elle me canarde de loin. Mais il y a au moins elle qui me tire dessus. Bon, eux sont. Sans attendre, j'aurais pu le faire réparer un petit peu. Ouais, on va les faire réparer un petit peu. Vas-y. Allez, regardez, ils sont bien. Alors, le mortier, il arrive ou quoi? Oui, il arrive. Fumigène, c'est pas mal aussi. Je vais d'abord faire un tir de barrage. Si je vois que ça marche pas, on fera un tir de fumigène ici, comme ça mes troupes pourront. Mais alors, regardez, ouais, super. Moi, je suis. Ça risque de mettre un petit peu de temps. Alors, ils s'enfuient, je sais pas si je peux les tuer ou pas. Ou si à un moment ils vont s'enfuir. Ils veulent pas avancer. Pourquoi je prends pas le sniper? Il est où le sniper? Bah, le sniper doit être avec eux. Je sais plus où j'ai foutu le sniper. Je sais plus où j'ai foutu le sniper. Qui aurait pu être ultra utile. Mortier, je vais le foutre là. Ouh, il y a un sniper là-bas, regardez. Moi, je pense que c'est lui qui a dû fumer mes troupes que j'avais voulu mettre. Je pense que mon sniper. Ah bah, d'ailleurs, celui-là, on va peut-être le foutre là-bas. Je vais les foutre ici, les mortiers. Une excellente idée. Ok.
Allez, les tanks et tout là. Ouf. Ah, ils ont. Putain. Est-ce qu'ils peuvent monter par là? Ils tirent à travers les murs déjà. À travers, je sais pas trop comment ils font, mais bon. Ils peuvent monter par là aussi. Ça va bouger. J'ai beaucoup de commandements, donc ça ne doit pas être un souci. Ouais, c'est ça, les tanks tuent à travers le. Il y a un sniper ici. Ah, mais le sniper il me respecte pas. Super! Putain! Ah, je vais parachuter un. Ah, je vous avoue que ça me fait chier de pas savoir où est mon sniper. Il est forcément mort, hein. Alors, je m'en occupe aussi. Il est forcément mort, c'est dommage. Le canon anti-char peut être pas mal si ils arrivent à tirer. Salut Darkos, excuse-moi, j'avais pas vu. Non, non, c'est pas le client PH, non. Ça aurait pu. Faites voir, quand même, je regarde. Non, c'est juste mon truc Twitch. Ça va, mon petit Darkos. Profite bien de tes vacances. Juste quoi. Le problème c'est ça, regardez. Ça va être nul. Ça va, ça va, ça va. Oh là là, ouais, c'est pas du tout bon plan. Ah ouais, c'est vrai que t'es pas en vacances. Je suis con. Excuse-moi, excuse-moi. T'es dispo toi aujourd'hui ou pas? Ah ça c'est bon ça. Un véhicule en moins. Il est déjà mal en point. Aïe. Ça fait mal. Je me demande si je vais pas attaquer. Maintenant, c'est un peu trop tard. Je disais, est-ce que tu es disponible aujourd'hui? Parler du Act Hub vers fin de journée. J'ai mis un post sur le groupe. Alors je me demande si je vais juste pas courir en fait. Ah, 3 grenades pour le prix là, d'accord. Les commandements ils sont là-bas. Ok, d'accord. Ce couloir là il fait mal hein. Si je meurs je pense que je repasserai de l'autre côté parce que. Mais il se tue tout seul. Et si au moins vous pouvez faire ça à votre clab C, ça serait bien. Ah, ça va faire mal. Oui, bien joué.
Oui, ah bah là c'est bon. Là, ça va nous permettre d'avancer avec nos troupes de blindés. Je vais commencer à faire venir du monde, hein, parce que là. Ils tiennent, hein? Avancer, hop les. Il y a du temps qui arrive après. Aïe aïe aïe! Ça c'était pas prévu, oula. Elles sont là, pas perdu. Ouh! Ils sont morts. Vous voulez pas le réparer à la base, hein? Bah, je pense avoir 20... entre entre 19h et 21h, je pense. Si t'es pas dispo, c'est pas grave, hein. En français, hein. C'était pas prévu. Ça, faut pas abuser de dégâts. Lui, il a besoin de grosses réparations là. Magnifique. Ok, là on est pas mal. Peut-être pas prendre le canon. Je vais juste prendre un tank là-bas. Aller fumer ses zigotos. On va prendre deux trucs, ça va être bien. Ah, je fais la division. D'infanterie et les blindés. Il y aura une réparation. Non, il ne veut pas le réparer. Ouais, lui, il a pas envie. Non, il a pas envie. Bon, d'accord. Ça contre l'infanterie, c'était. C'est terrible! Ça fait le café, hein. Ah, il y a encore le commandement! Le commandant, il est là! Ça, c'est des divisions, certainement. Comment dire, de. D'élite. Ah, bah lui, ouais, il a des vies. C'est abusé. A trop fort le commandant. Lui, il a pris un canon droit dans sa gueule. Un clic gauche. Je pense là-bas je peux pas parce que j'ai pas. Il y a encore la DCA.
faire une petite sauvegarde, on sait jamais. C'est jamais ce qui peut arriver, hein. Je préfère. Ah, c'est jamais. Je me souviens plus, mais bon. Voilà, je pense qu'en termes de vie, ça devrait le faire. C'est cool. Mirador. Il va pas faire long feu le Mirador, je pense, hein. Ok. Là, ça va être grosse bataille. Je crois que si je détruis la DCA. Ok. C'est déjà... Ça commence déjà. On va d'abord faire le Mirador. Ah, les véhicules sont abusés. Ça me donne vraiment une... Une supériorité. Parfait. Juste qu'il n'y a pas de mine ici, mais ça devrait pas être le cas. On voit qu'il y a un petit tank sur le côté. Dès que je détruis ça, j'envoie une. Ça par exemple, vous voyez, c'est pas cool. Allez, faut avancer, faut y aller. Ah, munitions insuffisantes, j'ai envie de claquer. Ça c'était sûr qu'il y avait abusé de monde ici. Je vous avoue que le canon anti-char il m'a fait très très mal. C'est là. Allez les enfants, pour la victoire. Il a pris cher là. Le commandant est toujours là. Non, allez, faut pas. C'est un peu la gueule du monde hein, quand même avec le. Avec le commandant. Ah hein. Putain. Bah, là il est dans le caca, voilà. Salut viewers, n'hésitez pas à commenter, à follow. Oh merde. Ah ouais, ça rigole pas là. Ah mais ils ont des... d'accord.
Vachement efficace, hein, en vrai. Ok, ça c'est pris. Je vais mettre comme ça, je sais pas si ça va être utile ou pas. Il faut mieux emmener des hommes là-bas. Quoique, quoique. Bon, normalement la victoire est nôtre. Qu'il va pas avoir des venues de soldats de je sais pas trop où. Munitions, pourtant c'est que des dépôts de munitions que j'ai depuis tout à l'heure. Va exploser, hey, hey. On va faire, on va faire. Bâtard, il n'attend pas. Et voilà, mes amis. Fin de la mission. Ça a été marrant que les arbres avec le. Accompli pour une deuxième fois, pas magnifique ça? Non, 1h13, bon. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo sur YouTube en tout cas. Merci pour les gens qui sont arrivés en live. On se retrouve très prochainement pour la suite de nos aventures sur Company of Heroes avec... On va voir quelle mission? Saint-Fromont. Voilà, on a hâte d'y jouer. Je vous dis à bientôt, d'ici là, ne rage quittez pas, et soyez bon joueur, ciao tout le monde.